We were rich once before your head exploded. Imagine doing just what the Big Bang did. The whole world knew it was loaded. We Alors, je pense que ça va avec la communication globale de CEDEBO qui a évolué cette année. Mais en fait, ce qu'on veut amener, c'est un peu plus de fun, de plaisir et de liberté dans la communication autour de CEDEBO. Et là, au niveau du bateau, on a aussi voulu retranscrire. Donc, en avant-première, d'ailleurs, on voit le logo qui apparaîtra dans quelques mois sur les packaging CEDEBO. Donc, c'est vraiment une grande première aujourd'hui de le voir ici. C'est la première fois qu'il apparaît. Une mise à l'eau, c'est avant tout une émotion collective. C'est en fait, on est dans l'état d'esprit où on a eu, après 2 ans et demi de navigation, 70 000 milles, beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges, et on a fait un tableau et on s'est dit, si on voulait faire évoluer ce bateau, qu'est-ce qu'on ferait? Et ça, on s'est mis dans cette position-là en novembre, début novembre 2009. Et là, à la mise à l'eau, c'est finalement, on a tout fait et on est encore dans l'expectative de se dire, toutes les idées qu'on a eues, est-ce qu'elles vont marcher? Donc il y a un peu d'excitation, il y a de la fierté, il y a de la fatigue, il y a une espèce d'émulation collective qui fait qu'au moment de la mise à l'eau, chacun est encore dans l'idée qu'il a proposée, dans l'idée qu'il a envie de voir marcher. La déco, en fait, les gens, quand ils passent, ils disent c'est un nouveau bateau. Donc c'est assez marrant de voir que d'une année sur l'autre, rien qu'en changeant une déco, on arrive à presque changer une silhouette ou l'intégralité. Alors c'est vrai qu'on a voulu amener de la proximité parce que je pense que nos produits ils sont là pour rentrer dans le quotidien des gens et puis pour leur apporter justement cette liberté et ce plaisir. Donc cette proximité on l'a aussi vers l'interne. Et là on voit des photos de salariés de CEDEBO. C'est 100% des salariés de CEDEBO qui se sont fait prendre en photo et qu'on retrouve sur le mât, donc qui vont accompagner Thomas autour de ces différentes excursions, on va dire. On s'aperçoit que cette histoire qu'on a créée depuis le début, elle touche ou elle émeut beaucoup de gens dans notre projet et ailleurs. Mais on estimait qu'il y avait des privilégiés et puis il y a des gens à qui finalement ce projet appartient ou sans qui il ne peut pas vivre. Et tous ces gens-là, c'est les gens qui travaillent chez CEDEBO et qui m'encouragent, qui me provoquent, qui me pousse à recommencer et à donner le meilleur. Et on a eu envie de... Enfin, moi, j'avais envie de les remercier d'une manière originale. J'avais envie que, au sens propre comme au sens figuré, ils soient à bord. I just wanna get along. I just wanna get along. I just wanna get along.